Anaïs, j'y vais. Vous êtes sage, hein? Et vous rentrez avant que Luc soit trop fatigué? Oui, t'inquiète pas, maman. On ne rentrera pas tard. Tu n'oublies pas qu'il n'a que 5 ans? Oui. Très bien, ma puce. Alors, on se retrouve demain dans le parc. Bonne soirée. À demain, maman. T'es prêt? Va mettre tes chaussures, bonhomme. Désolé. Tu l'as mis? Il est trop mignon. Comment tu t'appelles? Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? C'est quoi ton petit nom? Allez, sois gentil. Il s'appelle Luc. C'est trop mignon. Salut ma belle! Luc? Ça va? Oui. Tu viens? Faut que je te parle du plan pour le groupe? On a été contacté par une maison de disques! C'est trop bien, non? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je disais, disque. Trop bien, génial. Je reviens, 2 secondes. Hein. Luc! S'il te plaît. Je t'en supplie, reviens, allez! S'il te plaît. Allez, tu peux aller jouer un peu maintenant. Maman va arriver dans une 20aine de minutes. Luc? Luc, t'es où?
que je peux avoir un gâteau? S'il te plaît, Anaïs. Tiens. Merci. Luc, tu... Quoi? Rien. Je te lis quelques pages de mon livre? Sans nouvelles d'Elena les jours suivants, Edouard se ronge, n'y tient plus et un soir va chez elle. Il sonne, le cœur battant. Personne. Il décide d'attendre sur le palier. C'est l'été. L'immeuble de nomenclaturiste est désert. Bonjour ma puce, ça va? Allez maman, et toi? Oh, un peu fatiguée mais ça va. Et toi, ça s'est bien passé avec Luc? Il est où mon petit bout? Il joue? Il joue là-bas? Là? Mmh. Quoi? C'est-à-dire là-bas? Anaïs? Il est là. Qu'est-ce qui se passe, Anaïs? Rien? Anaïs? Anaïs, calme-toi, ma chère. Tout va bien. Ce n'est qu'un cauchemar. Je suis là, ma chère. Maman, je sais. Jamais je pourrai emmener mon frère jouer dans un parc. Parce que je vois pas. Jamais. Ma chérie. Il est là, ton frère Anaïs.